Bonjour les copains. Alors aujourd'hui, on va créer un jeu pour s'entraîner à compter et reconnaître les chiffres. D'accord? Alors pour ça, on a besoin de 4 feuilles blanches, d'une paire de ciseaux, d'un marqueur et aussi demandez à maman ou à papa de vous couper un cœur en carton ou en feuille un petit peu plus épaisse parce que ça va vous aider ensuite à dessiner des cœurs. D'accord? Alors, la première chose qu'on va faire, après que maman ou papa vous ait découpé un cœur en carton, c'est de tracer sur toutes les feuilles 2 cœurs en carton. Donc, sur chaque feuille, vous avez la place pour 2 cœurs en carton. 2 cœurs. Donc, vous les mettez tout en haut. Regardez. Vous les mettez tout en haut et vous allez tracer le contour du cœur. Comme ceci. Hop. Et voilà. J'ai ici le cœur. D'accord? Et juste en dessous, il y a la place pour un autre cœur. Donc juste en dessous, vous mettez à nouveau le carton en forme de cœur et vous contournez à nouveau le cœur. Voilà. Et sur cette page, sur cette feuille, j'ai 2 cœurs. D'accord? Et maintenant, vous faites ça sur les 4 prochaines feuilles. On continue. D'accord? Alors, j'ai fait une petite bêtise. En fait, il vous faut 5 feuilles blanches. Et sur chaque feuille blanche, vous dessinez 2 cœurs. Comme ça, vous avez 10 cœurs. Alors, la prochaine étape, maintenant que vous avez dessiné tous vos cœurs, c'est de les découper. On va découper tous les cœurs. Alors, le plus facile, c'est d'abord de couper votre feuille en deux. Voilà. Et puis, de couper les cœurs. Alors, encore une fois, je ne vais pas couper tous les cœurs avec vous, sinon ma vidéo va être trop longue. Donc, je fais pause. Et puis, quand j'ai fini, je remets la vidéo. D'accord? Et pouf! J'ai 10 cœurs. 10. Comme ça. D'accord? Alors, maintenant qu'on a nos 10 cœurs, on va dessiner dessus. Alors, sur le premier cœur, on va écrire un 1. Monte et on descend et on va dessiner une petite boule comme ceci. Voyez? Un 1, on monte, on descend et une boule. D'accord? Et on va couper ce cœur en deux pour avoir un 1 d'un côté et une boule de l'autre. D'accord? Et puis, on va prendre le deuxième cœur et on va écrire un 2. Alors, un 2. Et 2 petites boules. Un 2. Et 2 petites boules. Vous pouvez demander de l'aide pour les chiffres, mais je pense que vous pouvez aussi essayer tout seul. Et puis, on coupe le cœur en deux. Voilà, un 2 et 2 petits points. Et puis, on va faire le 3. Et 3 petites boules. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3 petites boules. Et puis à nouveau, on coupe 1, 2, le cœur. Et on continue comme ça. On va écrire le 4. Et on va
dessiner 4 petites boules. Voilà. Et on va couper notre cœur en deux. Et puis le 5. Et on va dessiner 5 petites boules. Moi, je place toujours mes petits points comme ils sont placés sur le dé. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Vous pouvez tout mélanger aussi. Ce sera parfois un peu plus difficile à compter. Mais ça, c'est comme vous voulez. Le 5. Et puis le 6. Et puis, 6, je vous montre d'abord. Et puis, on coupe en deux. Et puis le 7. Et on fait aussi, on va faire un dé de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on coupe à nouveau. 1, 2, pouf. Et puis le 8. Moi j'appelle ça un petit peu le bonhomme de neige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le 9. Aïe, 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 c'est long, hein. Le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le 9. Et on coupe. Et le dernier, c'est le 10. Le 10, c'est un 1 et un 0. Et voilà. Le 10 et les 10 petites boules. Et on coupe. Et voilà. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Au revoir les copains!